Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Mes petits lapins, pour cette 300e vidéo, je ne pouvais pas faire autrement que d'effectuer un retour aux sources et de vous parler de l'univers de la PC Engine. Alors oui, je le sais, la PCFX n'a finalement rien à voir avec la gamme PC Engine, mais c'est la machine qui devait succéder à cette gamme légendaire de consoles et qui est aussi l'une de mes plus cruelles désillusions. Franchement, il fallait que je vous raconte cette histoire de fou où l'une des plus belles étoiles des jeux vidéo s'est retrouvée absorbée par un inéluctable trou noir et s'est éteinte à jamais. Avant cela, je vous dirai juste un petit mot pour vous remercier. Effectivement, 300 vidéos au compteur, c'est plutôt sympa pour une chaîne née fin 2016. Et je n'aurais sans doute pas continué sans vos encouragements. Beaucoup me disent « Ouais, c'est dommage, tu n'as que 6700 abonnés. » Mais honnêtement, ce n'est pas la quantité qui prime, mais la qualité des personnes qui me suivent. Et je dis ça sans flagornerie. Cela ne sert à rien d'avoir 10 fois plus d'abonnés s'ils ne comprennent pas la démarche qui est la mienne. Celle de faire des vidéos un peu décalées, à l'humour un peu potache, sur des sujets qui me plaisent ou m'interpellent. À force, ils seraient déçus, et moi, je me sentirais coincé de vouloir faire plaisir au plus grand nombre qui attend un contenu spécifique. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur la BD, je perds une dizaine d'abonnés. L'audience YouTube aime bien cantonner les gens dans un registre hyper pointu, et y déroger entraîne quelques désaffections d'abonnés. Avoir plus d'abonnés flatte certes votre ego, mais vous oblige ensuite à suivre leurs attentes. Bref, ceux qui restent sont des purs et durs, qui aiment bien mes inepties et qui ne s'offusquent pas de voir de la BD dans leur paysage youtubien. Initialement, je pensais faire une vidéo fanfare où j'allais faire un point d'étape sur la chaîne dans la joie et la bonne humeur. Également évoquer les projets en cours et répondre à vos éventuelles questions tout en vous faisant part de mes états d'âme de youtubeur incompris qui crache sur le système dans un futile élan de rébellion mal placé. Mais bon, j'ai abandonné l'idée car ce qui vous intéresse avant tout, c'est qu'on parle de choses qui nous rassemblent. Des jeux et des machines qui crachaient leur trip avec passion à une époque où les gars du marketing ne venaient pas dicter ce qu'il fallait faire aux développeurs pour qu'un jeu soit bankable. Il y avait encore un soupçon de feeling et l'envie d'oser des trucs complètement barrés. Alors aujourd'hui, c'est toujours possible, mais il faut se tourner vers la scène indépendante. Parler de mon nombril et me toucher d'autosatisfaction, c'est pas mon truc. À l'époque où j'étais le maire de ma commune, je passais mon temps à être sur le devant de la scène. Je faisais mes vidéos après mes obligations, souvent à l'arrache, avec sans doute un peu trop d'improvisation et d'approximation.
Depuis que j'ai quitté cette scène municipale, ce que j'ai envie, c'est de parler de choses qui me plaisent au premier chef et de vous raconter des histoires en y mettant des morceaux de ma propre histoire. Et tout ça sans me prendre au sérieux. Tranquille, à la fraîche. Cela fait un bail que j'ai abandonné les facecam en me disant que vous montrer ma binette pleine de sucre n'apportait rien. Et depuis que j'ai fait ça, mes vidéos marchent mieux. Alors quelque part, on est sur une sorte de podcast, mais en vidéo. Alors d'un autre côté, ça m'inquiète aussi, hein. J'ai peut-être une tronche à effrayer les enfants. Voilà, je sais pas, je m'interroge. En tout état de cause, je sais que mes vidéos sont longues, et celles-ci ne dérogent d'ailleurs pas à la règle. Je sais aussi qu'il vaut mieux avoir 10 vidéos de 10 minutes qu'une seule d'une heure. C'est plus rentable, et surtout ça permet de toucher plus de personnes. Mais je n'y peux rien, c'est ma façon de faire à moi. J'espère juste que vous ne m'en voulez pas trop de vous bouffer des soirées. Bon, après, vous le cherchez aussi, hein. Vous pouvez toujours regarder mes vidéos en plusieurs fois, hein. C'est pas interdit non plus. Mais ce qui est vraiment sympa dans cette affaire, c'est que vous êtes toujours là, avec vos petits mots d'encouragement qui me vont droit au cœur, à mon petit cœur de gamer, et qui m'incitent à poursuivre mes inepties vidéoludiques avec encore plus d'enthousiasme. Donc, un grand merci à vous. Alors, entendons-nous bien, je n'ai pas la prétention de m'afficher comme un historien ou un maître S rétro gaming et autres spécialistes. D'autres le font très bien et assurément mieux que moi. Vous l'avez aussi remarqué, la technologie n'est pas non plus mon fort et je ne vais pas m'aventurer dans des décortiquages techniques, juste les survoler en votre compagnie pour un minimum de compréhension. Ce qui vous plaît apparemment ici, ce sont des tranches de vie et surtout sortir des sentiers battus. Alors, quoi de mieux que de parler de l'une des machines les moins bien vendues de l'histoire des jeux vidéo ? Une machine maudite, perdue dans les confins de la préhistoire. アニメーションゲームマシン DCFX The game is FX NEC Alors, mon histoire avec la PCFX est terrible. Imaginez le contexte. Nous sommes fin octobre 1994. Je suis à la tête de mon magasin de jeux vidéo Objective Games à Arras et je dois passer mes précommandes auprès de mon fournisseur japonais. La Sega Saturn sort le 22 novembre 1994, la Sony PlayStation le 3 décembre 1994 aussi, et le 23 décembre, c'est au tour de la NEC PCFX, un tiercé où la plupart des pronostiqueurs donnent Sega Winner, ça veut dire vainqueur en français. Dans mon magasin, ouvert en avril de la même année, c'est l'effervescence. Tous les petits puceaux, ils ont leurs boutons qui claquent. Ils sont énervés. Une majeure partie des habitués ne jure que pour la Sega Saturn et son prometteur Virtual Fighter. Un jeu qui devrait être suivi par la conversion d'une borne d'arcade totalement culte, Daytona USA. Bref, on s'excite beaucoup autour de la Saturn. Alors, la PlayStation n'est pas en reste, hein. La presse spécialisée a balancé des images de Ridge Racer. Et le titre semble franchement impressionnant. On attend de le voir en action. Là, ce ne sont que des images, mais pour l'instant, ça dépote grave. Graphiquement, c'est quasiment au niveau de la borne d'arcade. Car oui, à l'époque, le maître étalon, l'élément de comparaison absolu, c'est la borne d'arcade. Plus une console se rapproche des performances d'une borne d'arcade, et plus elle a de chances de se vendre. Alors c'était l'argument de l'Atari 2600, ou encore de la Famicom au début des années 80, puis celui de la PC Engine, ou encore de la Mega Drive, vers la fin des années 80. Un argument de vente imparable qu'a su exploiter SNK en ramenant l'arcade à domicile avec sa divine Neo Geo.
Au début, Neo Geo, hein, je précise parce que je sais qu'il y a des pinailleurs qui vont me dire oh « Non mais tu prononces mal, c'est pas bien, c'est pas comme ça. » Bon bref, au début des années 90, les bornes d'arcade sont des monstres technologiques. Les cartes mères s'accouplent avec une multitude de processeurs. Il faut que ça soit le plus spectaculaire possible pour que les clients trouvent encore un intérêt à fréquenter les salles obscures plutôt que de rester chez eux. Nous en avons déjà parlé, assez longuement d'ailleurs. La 3DO a changé la donne. L'apport du CD-ROM couplé à une architecture puissante permettait des jeux d'une autre dimension. Malheureusement pour 3DO, s'ils sont techniquement impressionnants, la jouabilité et l'intérêt ne sont pas au rendez-vous des premiers titres sortis. Aujourd'hui, ça peut faire sourire, mais au début des années 90, la borne d'arcade, c'était la référence. Alors voir qu'un jeu comme Ridge Racer allait débouler dans nos salons, ça impressionnait pas mal de monde. Mais bon, je vous le redis, la star en cette fin d'année 1994, c'est la Saturn, pas la PlayStation. Son line-up en Day One japonais n'est pas extraordinaire, mais demeure sympa. Le jour J, deux titres sont disponibles, Virtua Fighter et Myst, de la baston et de la réflexion. Autant vous le dire, les clients de mon magasin réservent Virtua Fighter avec leur Saturn japonaise. La semaine qui suit, d'autres titres sont annoncés, Gale Racer, connu en arcade sous le nom de Rad Mobile, Clockwork Knight, un jeu d'action plateforme, et The Mansion of Hidden Soul, le manoir des âmes perdues. Quant au line-up en Day One de la PlayStation, bah écoutez, il fait pitié, hein, je suis désolé. Hein. Mis à part Ridge Racer, on n'a pas grand-chose. Alors, Parodius en version Deluxe, c'est gentil, mais bon, ça sent le réchauffer. A Train 4, un jeu de simulation en japonais, bah lui, il sera invendable en France, aussi, c'est clair. Crime Crackers de Sony, alors c'est un FPS à la sauce manga qui n'en voit pas du rêve. La fenêtre de jeu est réduite, hein, on le voit dans les magazines, et puis ça sent un petit peu la bonne bouse. Hein. Alors le dernier titre est un jeu de Mahjong, autant dire qu'il n'a aucune chance de succès chez nous. Malgré tout, la presse annonce un jeu de combat assez foufou, Toshinden. Mais il ne sera disponible qu'en janvier. Mes précommandes vont donc s'orienter sur les titres d'action, car je me doute bien que les jeux de réflexion et d'aventure en japonais ne vont pas marcher. Alors vous allez me dire, mais comment ça marchait les précommandes d'importation de consoles japonaises à l'époque où il n'y avait pas Internet? C'était la jungle à l'époque. Hein. Eh bien, tout fonctionnait simplement par fax. Et ouais, il fallait taper des numéros, puis envoyer la feuille de papier avec les commandes. C'est comme ça que ça marchait. Donc, mon contact japonais me faxait la liste des produits et leur prix en yens. Et ouais, il les mettait en yens. Hein. Et ensuite, je tapais sur le bon de commande mes quantités, je lui retournais par fax, et ensuite, il m'envoyait une facture pro forma. Et ouais, une facture pro forma. Et là, vous me dites, bah ouais, t'es bien gentil, Guenette, mais c'est quoi une facture pro forma? Nous, on travaille pas en comptabilité. Alors, une facture pro forma, c'est une facture provisoire. Elle n'entre pas dans la comptabilité de votre entreprise, mais vous permet de justifier d'une dépense ou d'un prêt si vous devez sortir beaucoup de sous. Là, en l'occurrence, j'en avais besoin pour aller voir mon banquier, lui dire « Dites, monsieur, vous me convertissez X francs en X yens et puis vous les versez sur le compte bancaire indiqué. Ouais, je sais, c'est à l'autre bout du monde. Ouais, je sais, c'est pour commander des consoles. Et ça, ça vous parle pas trop, mais bon, voilà, c'est mon business. » Alors, autant vous dire qu'il fallait avoir confiance en votre contact. Hein. Fallait pas prendre un fou furieux qui était comme ça au Japon et qui allait vous escroquer. Fallait quand même être sûr et certain de son contact. Et donc, bon, j'envoie mon bon de commande, et celui-ci comprend donc 15 Saturn japonaises, 15 transformateurs 110 volts, 220 volts, parce que, ouais, il fallait bien évidemment convertir les 110 volts japonais en 220 volts français. Il fallait également 15 câbles RGB pour qu'on puisse brancher sur un téléviseur équipé d'une prise Péritel. Dans la foulée, je commandais 15 Virtua Fighter, forcément, il fallait un jeu pour chaque Saturn. J'ai commandé en plus un Myst, hein, parce qu'il y a un client qui me le demandait. Mais bon, moi Myst, à l'époque, c'était pas non plus un jeu qui m'impressionnait plus que ça, puisque j'y avais joué sur PC et je m'y étais fermement ennuyé. Bon. À cela s'ajoutent 10 PlayStation,
10 transformateurs 110-220 volts. Par contre, mon fournisseur n'avait pas de câble RGB pour la PlayStation. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, je vais devoir en dégoter ailleurs. 10 Ridge Racer, un Parodius Deluxe, un Cream Crackers. Et puis je me dis, bon, quelques memory cards au passage, parce qu'il faut faire des sauvegardes sur une memory card, un peu comme sur la Neo Geo, voilà, qui avait déjà une memory card. Donc je me dis, bon, bah, je vais en prendre quelques-unes, parce que je sais pas trop comment les gens vont pouvoir jouer à leur jeu s'ils ne peuvent pas sauvegarder derrière leur partie. Donc j'en prends une petite dizaine aussi. Et là vous me dites, hey Gunhead, il y a un truc qui va pas. C'est une vidéo sur la PCFX, et t'en as pas encore dit un mot. Gunhead, qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes de concentration? Tu veux en parler? Vous avez raison, mes petits lapins, mais je veux planter le décor. On va y venir à la PCFX. Ne soyez pas impatients. Là, je vous plonge dans l'ambiance de mon magasin. On s'en fout du temps. YouTube ne limite pas la durée de mes vidéos. Alors, on s'en tamponne. On n'est pas bien, là? À la fraîche? Décontracté du gland? Entre gens de bonne compagnie? Je vous le demande. Enfin bref. En 1994, la NEC PCFX, c'est ma console de cœur. Dans le lot que je commande au Japon, il y aura une Sega Saturn rien que pour moi, mais également une PSX. Alors oui, pour les trois du fond qui ne suivent pas, c'est comme ça qu'on appelait la PlayStation à l'époque, une PSX. Et bien évidemment, une NEC PCFX. Je ne peux pas faire autrement que de commander cette machine qui succède à la magnifique et magique PC Engine. J'aurai chez moi un setup de malade. Mega Drive, Super Famicom, PC Engine, Neo Geo CD, 3DO, sans parler de mon Amiga 1200, de mon PC, et ces trois nouvelles consoles qui vont débarquer. Ouais, je sais, c'est une installation de bourgeois. Bah oui, ça peut vous sembler un peu abusé, mais que voulez-vous? En 1994, un revendeur digne de ce nom doit connaître le matos qu'il vend. Dans la presse spécialisée, personne ne calcule la PCFX. Mais moi, je rigole intérieurement. Quelle bande de nazes, ces journalistes! Qu'est-ce qu'ils peuvent être incompétents! Les pauvres, ils ne savent pas que la PCFX va déchirer Grave, de chez Monsieur Grave. Ils s'extasient devant Ridge Racer et Toshinden comme des jeunes filles en fleurs. Mais sérieusement, ont-ils vraiment vu les superbes visuels de Team Innocent? Ou de Battle It. Laissez-moi pouffer d'autosatisfaction. La PCFX va être un ovni vidéoludique, comme l'était la PC Engine, avec une clientèle de connaisseurs et d'amateurs éclairés qui savent l'apprécier à sa juste valeur. La 3D, c'est bien gentil, mais bon sang, qu'est-ce que c'est moche. Rien ne vaut la finesse de la 2D, et ça tombe bien. La PCFX n'est pas tombée dans le piège de la 3D à outrance. Alors ok, je vous l'accorde, rétrospectivement, j'ai l'air con en disant cela. Mais si on se replace en 1994, la PCFX casse l'image traditionnelle des consoles. Elle arbore un look de tour de PC, mais en étant hyper stylée et super mignonne. Enfin, pour qui aime l'architecture déstructurée. C'est d'ailleurs rigolo de voir que la future Xbox adopte également ce look, tout comme la PlayStation 5. Le Tower est à la mode, mais en 1994, c'est complètement inédit. Les passionnés de la PC Engine sont habitués à la miniaturisation des consoles. Et du coup, la PCFX rompt complètement avec ce qu'ils connaissent jusqu'à présent. Mais c'est ainsi, NEC et Hudson Soft décident d'en imposer. Et s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Et ouais, moi Gunhead, le vieux brisker des jeux vidéo, j'ai compris avant tout le monde la stratégie hyper secrète de la PCFX. S'ils ne mettent pas de base un processeur 3D, c'est tout simplement parce que la PCFX dispose de ports d'extension. Et que NEC va commercialiser d'ici peu une carte 3D à insérer dans la machine. C'est évident. Si la console a un look de PC, c'est pour qu'elle soit upgradable. Évolutive, si vous préférez, comme le sont les PC. C'est ça la stratégie hyper secrète de NEC que je suis le seul à avoir débusqué. Et là, je peux vous dire, mes petits lapins, que cette carte additionnelle va pulvériser toutes les autres machines, car la technologie 3D sera plus aboutie et plus récente que celle de ses concurrentes.
Je me gosse de l'ignorance collective. Ces pauvres incultes ne savent pas que NEC et Hudson Soft sont les rois de l'upgrade. Rien que sur CD-ROM PC Engine, on a connu trois formats. Le support CD-ROM, le support Super CD-ROM et enfin le support Arcade CD-ROM. Tout ça grâce à des petites cartes système magiques. Alors vous pensez bien, si NEC a prévu un slot en façade, un slot en dessous de la bécane, c'est pas pour faire joli, c'est pour sortir une carte 3D magique qui va poutrer tout le monde. Et puis NEC, c'est un géant de l'électronique. Ils ont les reins solides. Ils avancent à pas feutrés, mais le moment venu, ils vont dégainer les grosses licences qui tuent. NEC Avenue, le bras armé de NEC, avait acheté des licences à Sega et Capcom pour booster la PC Engine. A The Red Beast, Ghouls and Ghosts, Afterburner, Outrun, tous ces titres étaient sortis sur PC Engine. Là, c'est clair, ils vont faire pareil. Et attendez un peu qu'Hudson Soft ne balance son Bomberman à 10 joueurs ou son shoot'em up intergalactique Star Soldier FX ou encore un nouveau Neutopia FX qui va poutrer grave tous les Zelda de la galaxie. Et que dire d'un Adventure Island FX ou d'un PC Genjin FX? Bande de noobs, vous allez bientôt découvrir la toute puissance de l'alliance entre NEC et Hudson Soft. Voilà donc dans quel état d'esprit j'étais en cette fin du mois d'octobre 1994. Je rajoutais sur mon bon de commande 3 PC FX. Trois Battle Hit, 3 Team Innocent et un Sotsugiyu 2, connu également sous le nom de Graduation 2 Neo Generation FX. Et puis, les semaines se passent tranquillement dans mon petit magasin à rajoua. En novembre, c'est l'excitation habituelle avec Noël qui approche. C'est dans un mois. Mais je remarque une chose. Les nouveaux articles dans la presse française mettent les joueurs en ébullition. Et la PlayStation gagne chaque jour de nouveaux adeptes. Alors là, tous les petits puceaux de mon magasin, bah, ils ont plus de boutons tellement tout a explosé de joie et d'allégresse. Et ils se ruent sur la PlayStation. Ils en sont fous. Un de mes proches, pourtant fan de Nintendo, me dit « Tu as vu Motor Toon ?» C'est le Mario Kart de la PlayStation, il a l'air trop beau. Et t'as vu Killing the Blood et Kingsfield? Si ce sont vraiment des images de jeu et pas de l'image de synthèse, ça va déchirer. Puis t'as vu Namco qui balance? Y'a pas Ridge Racer, y'a aussi Cyber Slade, Star Blade, puis on annonce à Tekken qui a l'air encore plus beau que Toshinden. Y'a une masse incroyable de jeux qui arrivent en janvier, en février. T'en penses quoi, toi? Et là, je dois vous avouer que je suis un peu gêné. Moi, d'un point de vue commercial, je penchais sur un succès de la Sega Saturn. Mais à part les jeux du line-up que j'ai annoncé précédemment, Virtua Fighter et Myst, il n'y a pas grand-chose en vue. Bon, Clockwork Knight, bon, c'est un peu léger. Et quand on regarde le line-up, bah, en janvier, deux jeux sont attendus, Victory Goal et Gotha. Mais à part ça, c'est plutôt morne pleine. Panzer Dragoon, le titre qui me tape dans l'œil, est annoncé en mars, et le fameux Daytona USA, censé être le rival de Ridge Racer et la killer app de la Saturn, et reporté en avril. 4 mois sans aucune tuerie vidéoludique, ça va sembler très long aux possesseurs de Saturn japonaise. Car si sur PlayStation, peu de jeux sont vraiment connus, ils semblent néanmoins impressionnants techniquement. Et surtout rapidement disponibles. On sent qu'il y a pas mal d'éditeurs qui vont sortir des jeux sur cette machine. Quand je reçois mon lot de Saturn japonaise, elles partent comme des petits pains. Alors je la fais fièrement tourner en magasin et les clients sont impressionnés par la machine. Mais je perçois une chose. Des clients qui se disaient enclins à acheter une Saturn en Day One me disent maintenant « Ben tu vois, on va attendre de voir la PlayStation. » En décembre, j'ai de nouvelles précommandes de consoles. Cette fois, c'est nettement en faveur de la PlayStation. La tendance s'inverse inéluctablement. Mon fournisseur japonais me dit qu'il a clôturé les commandes et qu'il ne pourra plus avoir d'autres machines. Je me rapproche d'un collègue,
console game ça lance, qui pourra me dépanner de 3 PlayStation et de 3 Saturn. Je trouve les quantités manquantes chez JPF Import, un grossiste parisien, et d'autres grossistes ici et là qui prennent de jolies marges au passage. L'engouement pour les consoles d'import est à ce moment-là très très fort. Quelques jours après la sortie japonaise, du 3 décembre, on reçoit enfin la PlayStation en magasin. Comme d'habitude, les boutiques parisiennes ont été livrées avant nous, et les échos que nous avons entendus, alors par téléphone hein, les échos, hein, pas sur internet, les échos que nous avons de leur part sont très enthousiastes. Quand je branche la PlayStation dans mon magasin, c'est de la pure folie. Tout le monde est en extase. Alors le Virtua Fighter qui tourne en démonstration juste à côté semble d'une incroyable lenteur. Voilà, très très lent, à la Gunette TV, vous voyez. On a l'impression que les personnages sont en apesanteur. Ridge Racer, c'est l'inverse. Les bagnoles sont énormes à l'écran et vont à une vitesse incroyable. Il y a même un hélicoptère qui passe quand on roule, comme dans la borne d'arcade. Et ouais, le mot est dit, arcade. Les gamins le répètent en boucle dans mon magasin. Waouh, on dirait une copie du jeu d'arcade. Il n'en faut pas plus pour que la plupart des gens décrètent que la PlayStation est mieux que la Saturn. Alors ce qui objectivement est complètement faux. Mais le ressenti est palpable. La PlayStation semble super à l'aise avec la 3D. Ridge Racer est sa killer application de Day One. Et elle joue parfaitement son rôle. Le fameux effet waouh est assuré. Aujourd'hui, ça peut vous sembler décalé, mais tout le monde souligne le design hyper fin de la PlayStation. Vous voyez, la PC Engine, c'est un chef-d'œuvre de miniaturisation. Bah là, la PlayStation, elle est aussi très fine. Alors moi, vous voyez, je suis un peu pédant. Je boude mon plaisir et critique la croix directionnelle qui ne ressort pas assez. Je critique aussi les boutons. C'est quoi ces histoires de croix, rond, triangle, carré? C'est débile comme concept. On dirait que c'est fait pour les illettrés. Bah en fait, c'est un peu ça l'idée. Des signes reconnaissables dans le monde entier et des commandes qui se passent des alphabets, car après tout, dans le monde, il y a une multitude d'alphabets et d'écritures différentes. Je laisse donc tout le monde dans son coin à s'exciter sur la PlayStation et j'attends la fin du mois que n'arrive ma délicieuse PCFX. Les trois machines arrivent finalement début janvier. Je livre les deux PCFX à ceux qui les avaient réservés. Et je réserve ma soirée. Ce soir, PCFX, tu seras mienne. Toi et moi, nous nous retrouverons en tête à tête. J'enlèverai délicatement le polystyrène qui englobe ton corps de déesse. Lentement, je retirerai les plastiques qui protègent ta manette et tes câbles. Ne faut pas aller trop vite. Il faut prendre son temps dans ces moments-là. Une nouvelle console, ça se déflore tout doucement, avec une rassurante sensualité. Bien évidemment, je ne jetterai rien. Le polystyrène et les plastiques seront remis dans le carton. Même si, petite coquine, je ne compte pas te rhabiller de sitôt. Alors, premier constat, après ce paragraphe délirant, je constate que les boîtiers des jeux ont changé depuis l'ère PC Engine. Cette fois, le boîtier est plus imposant, on se rapproche d'un look de boîtier à la Neo Geo. Et finalement, j'aime assez, ça change de style, ça change des boîtiers CD PC Engine. Voilà, on n'est plus sur la miniaturisation, voilà. NEC et Hudson Soft ont décidé d'en imposer, et les boîtiers, du coup, suivent cette directive, avec en plus une bonne grosse plaque de mousse à l'intérieur pour protéger l'ensemble. Le soir venu, les trois prises RCA pénètrent les fiches de mon téléviseur. Je n'ai pas réussi à trouver un câble RGB, mais ce n'est pas grave. Mon téléviseur accepte le NTSC et le 60 Hz, donc a priori, il n'y a pas de souci. En premier lieu, je vérifie un truc tout con. Est-ce que ça lit les jeux PC Engine CD? Alors, j'avais lu que non, mais je veux m'en assurer. Pas de bol, ça ne marche pas. Alors pour une fois que les journalistes ne disent pas de conneries, là ça m'arrange pas quelque part. Hein. Et je me dis, bon,
Connaissant NEC et Hudson Soft, ces gredins vont nous vendre le module PC Engine séparément. Je vais donc attendre un peu avant de débrancher ma PC Engine Duo, surtout que je dois finir Akumajo Dracula X, ça fait un an qu'il est sorti, je ne l'ai toujours pas terminé à 100%. Je lance donc mon premier jeu, Battle Heat, signé Hudson Soft, l'éditeur et orfèvre de la PC Engine, et donc aussi de la PCFX. Le dessin animé d'introduction me met une claque magistrale. Mais bon sang, c'est encore mieux qu'une cinématique 3DO. C'est d'une fluidité incroyable. Je suis tellement impressionné que je ne lance pas le jeu tout de suite et je regarde une nouvelle fois l'introduction. Ouais, je sais, aujourd'hui, ça fait un peu con de dire ça, car la plupart du temps, moi je peste contre les éditeurs qui nous collent des cinématiques interminables. On regarde parfois pendant 10 minutes des scènes qui nous freinent dans notre envie de jouer, et après on se chope un bon gros tuto qui n'en finit plus. Bon bah là, en 1995, il faut savoir qu'on en réclamait des scènes qui nous en mettaient plein la vue. Il n'y avait pas beaucoup, donc quand il y en avait, on était contents, puis on les repassait en boucle. Par contre, je dois vous avouer que lorsque je me suis mis à jouer au jeu, je me suis demandé dans quelle dimension j'étais. Mais qu'est-ce que c'est que ce titre où les affrontements sont en fait une succession de dessins animés? Même les commandes des touches sont étranges. On a petite attaque, grande attaque, défense, provocation, saut et coup fatal. Bon. Et les jeux de combat habituels, c'est petit coup de poing, moyen coup de poing, grand coup de pied, tu vois, gros coup de latte dans les bandes, vous voyez, vous comprenez un peu le principe. Là, c'est un peu différent. Alors, c'est avant tout une question de timing et d'enchaînement approprié. En gros, c'est du Dragon Slayer à la sauce Street Fighter. Si en 1995, le jeu est indéniablement impressionnant et très péchu, démontrant la maîtrise de la PCFX en matière de décompression vidéo, il est au final pas très jouissif et surtout répétitif. Si on s'amuse de voir certaines scènes, au bout d'un moment, on s'en lasse et on trouve que ça casse le rythme du jeu. Dans mon magasin, les clients lui trouvaient des petits airs de Ken le survivant, et comme moi, les clients étaient impressionnés, mais préféraient largement un bon vieux Street Fighter des familles, ou encore les nouveaux venus en 3D, Virtua Fighter et Toshinden. Je suis donc mitigé, et n'arrivant pas à progresser très loin, parce qu'en plus le jeu est dur, je jette l'éponge. Alors attention, je ne dis pas que le jeu n'est pas subtil et qu'il est mal pensé, non, je ne dis pas ça. Des youtubeurs vous démontreront, finger in the noise, qu'on peut terminer le jeu avec un seul crédit. Ce que je veux dire, c'est que je suis resté désabusé par ce titre signé Hudson Soft. En des mois, on nous présentait le jeu FX Fighter comme killer app de la PCFX. Visuellement, il donnait une claque à Virtua Fighter, mais il a étrangement disparu des radars. À la place, on a Battle Heat, et je suis complètement désarçonné par ce gameplay. Le second jeu, par contre, m'a beaucoup plu. Team Innocent. Là encore, c'est signé Hudson Soft. C'est un jeu d'aventure qui met en scène trois héroïnes, Saki, Lilith et Ariel. Alors, le pitch est intéressant. Il y a 15 ans, dans un laboratoire top secret, un homme du nom de Cronus a été arrêté pour avoir génétiquement modifié trois jeunes filles. Depuis, elles ont été emmenées et élevées par des forces spéciales. Elles sont devenues la Team Innocent et vont mener une mission très particulière dans l'espace. Alors, vous êtes ainsi plongé dans une incroyable aventure qui va faire écho à votre passé. Le jeu implique de visiter des lieux et de résoudre des énigmes, tout en évitant les ennemis et les pièges, hein. Le tout en japonais, mais heureusement, aujourd'hui, Google est notre ami et on peut facilement s'en sortir. Et même si vous ne parlez pas un mot de japonais, franchement, c'est très accessible, il y a beaucoup d'icônes, tout ça, donc on s'y retrouve. Alors comme d'habitude, l'introduction déchire et je retrouve les sensations que j'éprouvais à la belle époque de ma PC Engine équipée de son Super CD-ROM. Celle de découvrir un titre peu commun, dont le principal obstacle sera une langue que je ne parle pas, mais aussi saugrenu que cela puisse paraître, à l'époque, on arrivait à s'en sortir. Un coup de fil à un ami,
ou un coup sur le forum sur le 3615 Swedipeng ou le 3615 Console Plus. Vous alliez dans les forums, vous posiez votre petite question et on vous répondait. Ça vous permettait de débloquer des trucs impossibles à deviner parce qu'il y avait toujours un gars qui jouait à ce type de jeu. À Paris, à Lyon, à Marseille, voilà, et puis ben, il partageait ses connaissances, donc voilà, c'était une autre ambiance. Alors un copain qui faisait partie du Club NEC m'envoyait par la poste des kanji, reproduits par lui-même à la main, quand il fallait taper un code dans une interface quelconque, style Snatcher sur PC Engine. Ah oui, lui il me faisait, il prenait sa plume, et puis paf paf paf, il me faisait les kanji qu'il fallait taper. C'était ça, à l'époque, on va dire la solidarité entre gamers, entre joueurs de jeux d'importation. Alors Team Innocent me séduit donc au premier abord. Les décors sont en images de synthèse et les cinématiques qui déboulent régulièrement montrent à quel point la PCFX assure dans ce domaine. Seulement il y a un truc qui cloche. Le son donne parfois l'impression que l'on est sur une simple U-Card PC Engine. Bref, on n'est pas sur du CD mais sur du chiptune qui, par la force des choses, bah, dénote avec la grandiloquence des séquences vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, me dis-je alors? Surtout qu'en plus, on a le même problème sur Battle.it. Il y a des petits passages où on est sur du chiptune, on n'est pas sur une qualité audio similaire au CD. Bon. Et puis, les décors sont franchement sympas. Avec, voilà, c'est du rendu 3D, mais les sprites ne sont pas terribles. Et ouais, je parle de sprites, on n'est pas en polygone, il n'y a rien du tout. Alors, ces sprites se mettent à l'échelle en fonction de la profondeur, mais le rendu est franchement moyen, parce que forcément, quand vous avez l'une des trois héroïnes face à vous, bah, c'est une bouillie de pixels. Et là, je suis pris d'un gros doute. Est-ce que cette PCFX est une bouse sans nom? Quand je vois ma Saturne à côté, je me dis que c'est pas gagné, parce que la Saturne, elle assure. Alors, levons le doute tout de suite. C'est ma plus grande désillusion de joueur. Mon petit cœur de passionné de la PC Engine s'est brisé en mille morceaux. Au fil des semaines puis des mois, la production de jeux PCFX est devenue désastreuse. Parallèlement, la PSX éclatait tout sur son passage avec une rare arrogance. La Saturne tentait de suivre le rythme, mais on sentait déjà que ça allait être compliqué pour elle. Sony avait la meilleure machine, Sony avait les meilleurs éditeurs derrière lui et donc les meilleurs jeux. Sony avait la hype absolue, Sony rimait avec sexy, Sony te faisait l'amour sans que tu t'en rendes compte. Tu avais juste du mal à t'asseoir le lendemain. NEC et Hudson Soft semblaient porter la PCFX à bout de bras. C'est bien simple, on avait l'impression qu'il n'y avait que NEC et Hudson Soft qui sortaient des jeux sur cette machine. Donc on n'est même plus à bout de bras, on est vraiment à bout de souffle. Les rares éditeurs tiers qui sortaient des titres étaient peu connus. Et leurs jeux, souvent des dating simulations, n'avaient aucun intérêt pour moi. Fan de Tengai Makyo Manjimaru, sur PC Engine, je me suis dit qu'un sursaut interviendrait en juillet 1995. Date de sortie de Tengai Makyo. Kalakuri Kakutoden. Nouvelle désillusion. Ce n'est pas un RPG
ni un jeu d'aventure, c'est un battle hit à la sauce Tengaimakyo. Alors ok, le fanservice est assuré avec ce titre, car les séquences vidéo sont sublimes, mais quelle tristesse au final! Hudson Soft reste sur sa lignée vidéo interactive et je me mets à regretter la 3DO. Franchement, si c'était pour faire ça, autant sortir une PC Engine 3DO. Il avait qu'à acheter la licence, ça aurait coûté moins de sous à tout le monde. Où est PC Kid? Where is Bomberman? Où est Star Soldier? Où est Adventure Island? Where is Notopia? Je vous le demande. Bref, où sont les jeux qui vont faire vendre des PC fixes? La seule licence connue hors du Japon est le titre d'Activision, Return to Zork. Mais bon, pas non plus un jeu exceptionnel, hein. Bon, alors mes petits lapins, une question se pose. Comment en sommes-nous arrivés là? Oui, je vous le demande, car ça demeure pour moi l'un des plus grands mystères de l'univers. Vous voyez, autant la 3DO, c'était une nouvelle aventure. Personne ne se connaissait, et personne ne savait vraiment où il allait. Ouais, ils allaient à tâtons, ils savaient pas trop, quoi. Quand le système a décliné, ça n'a pas vraiment surpris tout le monde. On a failli croire, on a failli suivre Trip Hawkins dans son délire de standard des jeux vidéo, mais ça n'a pas marché, donc bah voilà, tant pis, c'est pas grave. Autant la Jaguar, bah on savait que c'était fait par Atari. Donc on se doutait bien que le félin allait se prendre un semi-remorque dans la tronche et que du coup, il allait tomber d'une falaise et qu'une fois au sol, il allait être piétiné par une horde de gnous et que des vautours viendraient se délecter de sa dépouille. Alors, on s'en doutait avec la Jaguar. Par contre là, PCFX, on ne comprend pas. Comment le partenariat aussi génial et fructueux que celui de NEC et Hudson Soft a-t-il pu échouer? Comment une telle histoire d'amour entre David, le petit éditeur, et Goliath, le géant de l'électronique, a-t-elle pu se vautrer dans une telle décadence? Alors, j'ai quelques éléments de réponse à avancer, mais je vous préviens, si vous aimez la PC Engine, ça va faire des petits picots à votre cœur, je vous le dis tout de suite. On s'en souvient, NEC et Hudson Soft, c'est l'amour fou, ils font plein de bébés. La PC Engine en 87, le lecteur CD-ROM en 88, et derrière toute une ribambelle de rejetons. La Core Graphics, la Super Graphics, la Shuttle, la Core Graphics 2, la PC Engine GT, la PC Engine LT. Puis ce soir-là, il fait super bon, ils sont bien, voilà, ils sont torse nus. Paf, ils font la petite PC Engine Duo, puis ensuite la PC Engine Duo R, la PC Engine Duo RX. Lors de leur lune de miel à San Francisco, ils font même des enfants aux États-Unis. Turbo Graphics 16, Turbo CD-ROM, Turbo Express, Turbo Duo. Bref, NEC et Hudson, ils sont chauds bouillants, c'est torride. Même la caisse d'allocation familiale s'inquiète car à ce rythme-là, ils vont vider les caisses de l'État avec tous leurs sales gosses. Et entre deux conceptions d'enfants, ils pensent, dès 1990, à concevoir une nouvelle machine basée sur une architecture 32 bits. C'est marrant car c'est à peu près au même moment que le projet 3DO a commencé à mûrir. Et si je dis ça, ce n'est pas anodin, car il y a des similitudes entre les deux machines. Mais comme la gamme PC Engine se vend très bien, NEC et Hudson Soft ne s'affolent pas. Les éditeurs tiers leur font également savoir qu'il ne faut pas non plus aller plus vite que la musique, car au moment des faits, la Super Famicom n'est même pas encore sortie. Ah, du coup, ouais, NEC et Hudson disent « bon, on va se calmer ». Un an se passe, et finalement le projet n'a pas beaucoup avancé. Toutefois, NEC et Hudson Soft se mettent d'accord pour faire une annonce en mai 1991 auprès des éditeurs japonais. Histoire d'emmerder, disons-le clairement, Sega et Nintendo. Ça mange pas de pain de faire une annonce, et si ça peut freiner l'enthousiasme général pour la Super Famicom, c'est pas une mauvaise idée. Pourtant, au CES de Las Vegas de 1991, ils se font hyper discrets sur le sujet. NEC et Hudson Soft mettent l'accent sur la nouvelle gamme de CD-ROM, les fameux Super CD-ROM que nous connaissons tous et qui ne fonctionnent qu'avec une Super System Card 3.0. En fait, c'était un simple passage d'une mémoire de 64 kilo-octets à 256. Mais bon, ils nous ont vendu du rêve à l'époque, et ça a marché. La PC Engine Duo est aussi présentée, on imagine bien qu'il ne faut pas brouiller les pistes avec l'annonce d'une nouvelle machine 32 bits. Toutefois, le magazine EGM, Electronic Gaming Monthly,
parlera dans son édition d'août 1991 d'une technologie nommée NID, N-I-D, pour New Interactive Display. Une technologie capable de délivrer instantanément de la vidéo compressée sur un simple CD. Le taux de compression est impressionnant, 100 sur 1. Et un truc de fou, ça semble prometteur pour l'avenir, et même pour l'industrie de la vidéo, et même l'industrie cinématographique, soyons fous. La photo illustrant ces propos montre simplement une corde graphique logée dans une interface unique avec son CD-ROM. On peut donc penser que c'est peut-être les prémices du fameux format YouVideo. Alors pour plus d'informations sur le sujet, je vous renvoie vers ma vidéo numéro 201, Gulliver Boy et l'arrivée du format YouVideo sur PC Engine. En tout état de cause, cette mystérieuse technologie NID ne dénote pas avec les capacités vidéo de la future PCFX. D'un point de vue personnel, je ne pense pas qu'il s'agissait du format YouVideo, car même si la fluidité était exceptionnelle, la qualité vidéo laissait à désirer. Or, dans l'article, on parle quand même d'une technologie full motion vidéo, en plein écran, on parle aussi de 16 millions de couleurs, 24 bits, capable de gérer de l'image dans l'image, de l'avance rapide, de faire des arrêts sur l'image, bref. Pour moi, ça colle plus avec la PCFX. Je sais bien que la PC Engine était une machine exceptionnelle, mais bon, on peut non plus abuser les gars, hein. Bon. En tout cas, à ce stade, les informations se font rares. On sait que c'est Hudson Soft qui a conçu l'architecture basée sur 5 coprocesseurs et un processeur central RISC 32 bits capable de balancer 10 millions d'instructions par seconde. Son nom est HUC62320. Hudson Soft a toujours bidouillé les processeurs des autres. Pour la PC Engine, on sait qu'ils se sont basés sur le célèbre mais vieillissant MOS 6502, le même processeur qui équipait l'Apple II, le Commodore 64 ou encore la NES. Leur customisation a fait des merveilles et honnêtement, la PC Engine donnait l'illusion d'être une véritable 16 bits. Là, pour le UC62320, c'est la grande inconnue. Hudson Soft n'est pas un fondeur et n'est pas en capacité de produire un processeur. C'est forcément un processeur custom. La lettre C l'indique clairement. Mais la base, on ne la connaît pas. Les experts évoquent encore une base MOS. Mais sans grande conviction, la technologie RISC est trop pointue pour affirmer que c'est un processeur MOS customisé. On penche alors sur une solution maison, le V60 de NEC, sorti en 1982. Et ouais, il est certes ancien, mais il est peu coûteux et facilement transformable. C'est ce processeur qui équipe bon nombre de jeux d'arcade de l'époque. Sega en a fait son processeur phare pour équiper les cartes Sega Model 1. Virtua Fighter et Virtua Racing pour ne citer que des exemples parlants. Ce processeur a aussi été utilisé pour la carte Sega System 32, le fameux RAD mobile dont on parlait tout à l'heure. Mais les férus de technologie vous diront que c'est une technologie CISC, et non pas RISC. Eh ouais, Hudson Soft aurait-il alors customisé ce processeur pour en faire un 32 bits RISC capable de balancer 10 millions d'instructions par seconde? C'est pas impossible. À l'origine, le V60 envoie 3,5 millions d'instructions par seconde quand il est cadencé à 16 MHz. Donc en l'optimisant et en passant sa cadence à 25 MHz, on peut plus ou moins arriver aux 10 millions d'instructions par seconde annoncées dans le communiqué. C'est en tout cas la piste la plus sérieuse en 1991. Et vous le savez, les Japonais aiment bien recycler des vieilles technologies parce qu'elles sont amorties et puis elles coûtent pas cher pour vous vendre ça comme une nouvelle machine, une nouvelle technologie qui envoie du lourd. Alors, les photos de l'époque montrent une carte mère et des composants. C'est trop peu pour en dire plus. En tout état de cause, sur le papier, un processeur RISC 32 bits à 25 MHz épaulé par 5 coprocesseurs, ça envoie du lourd. Surtout quand on sait qu'Hudson Soft est un orfèvre en matière d'optimisation. Le projet Tetsujin, littéralement l'homme de fer, Iron Man en anglais,
est donc officiellement lancé. Qu'on se le dise, cela sera la première console 32 bits utilisant la technologie CD-ROM de l'histoire des jeux vidéo. NEC, qui était le pionnier des jeux sur CD-ROM, fait donc passer un message clair et net à tout le monde. Notre technologie est prête. Is ready, disent-ils en anglais. Seulement, il faut attendre un an de plus pour en découvrir davantage. En 1992, NEC et Sunsoft font la tournée des popotes. Hey les gars, regardez mon beau gros matos qui va flanquer une raclée à tout le monde. Amis développeurs, venez tâter mes beaux gros processeurs à la fois fermes et juteux à souhait. Un nectar qui fera fondre vos cœurs de gamers et vous permettra d'exploiter tout votre potentiel créatif. Seulement voilà, les principaux développeurs et éditeurs japonais sont mitigés sur l'opportunité de sortir une nouvelle machine. Vous savez, monsieur NEC et monsieur Sunsoft, on gagne plein de sous avec la PC Engine, avec la Mega Drive, avec la Super Famicom. Donc sortir de jeux sur une nouvelle machine, ça ne va pas le faire. En plus, vos jeux sur PC Engine CD-ROM, ça nécessite déjà des ressources supplémentaires. Il faut des graphistes en plus pour faire les dessins animés. Il faut plus de musiciens pour faire une bande-son qualité CD. Il faut aussi engager des acteurs pour doubler les voix des personnages. Tout ça, ça nous coûte de l'argent, et ça mérite réflexion. Bref, ne vous emballez pas trop vite, le marché n'est pas encore prêt. Et du coup, NEC et Sunsoft, pour la seconde fois, se disent qu'il est urgent d'attendre. C'est vrai, il n'y a pas de quoi s'affoler en 1992. Nintendo et Sony, qui avaient annoncé leur projet de faire un lecteur CD pour la Super Famicom, se font la gueule depuis le CES de Las Vegas en juin 1991. Bon. Sega ne fait quasiment aucune ombre à la PC Engine avec son Mega CD. Bref, en 1992, la PC Engine est à son apogée. La gamme se vend merveilleusement bien. NEC et Sunsoft, on le vend en poupe et nos deux amoureux se disent qu'il faut peut-être concentrer les efforts sur le développement américain, voire européen. Pendant que NEC ira s'embourber sur le sol américain en enchaînant revers sur revers, comme par exemple avec le fiasco CinemaWare, Sunsoft se repose sur ses lauriers et arrondit ses fins de mois en sortant quelques jeux sur Super Famicom. Fin 92 et début 93, c'est la douche froide pour NEC et Sunsoft. Ah ouais, fin 92, début 93, ils se sont pris même pas une douche froide, hein, ils se sont pris un torrent d'eau froide, ils étaient en dessous d'une cascade et ils ont été frigorifiés. Matsushita, le grand rival de NEC dans l'électronique, annonce soutenir le projet 3DO de l'américain Trip Hawkins via sa filiale Panasonic. Dans le milieu des affaires, c'est une bombe atomique. Matsushita est un géant, craint et respecté. Un autre acteur de l'électronique dont les jeux vidéo ne sont pas le cœur de métier vient concurrencer NEC sur un marché que ce dernier pensait maîtriser en se faisant une place de choix entre les spécialistes locaux, Nintendo et Sega. Autre coup de tonnerre, Sony, un autre mastodonte de l'électronique grand public, déclare que suite à la trahison de Nintendo, parce que ouais, Nintendo leur a mis plein de petits coups de couteau dans le dos, et bien ils allaient développer leur propre système de jeu, sobrement intitulé PlayStation. Alors là, Panasonic, Sony et la Tipoc à quatrième larron entrent aussi dans la danse sans que personne ne le voit arriver. En effet, Fujitsu prend tout le monde de court et sort en février 1993 la première console 32 bits sur support CD-ROM de l'histoire des jeux vidéo, la FM Town Marty. Comme cette dernière est basée sur l'architecture de l'ordinateur du même nom, elle dispose en plus d'un sympathique catalogue de jeux dès son lancement. Alors là, en l'espace de quelques mois, NEC voit sortir du bois trois nouveaux rivaux extrêmement puissants. Panasonic, Sony et Fujitsu. Et ouais, il y a quatre larrons qui sont entrés dans l'arène. Le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. L'américain Atari va aussi sortir une console. Tout comme le japonais Bandai. Et en plus, même Commodore veut lancer une console 32 bits. C'est de la folie, tout le monde veut sortir des consoles. Quant à la société SNK, sans doute frappée par un élan communiste révolutionnaire venu de Chine,
du RSS ou de Cuba, elle souhaite soudainement se démocratiser, quitter l'élite des joueurs fortunés et se rapprocher des prolétaires, en déclinant sa Neo Geo dans un format CD plus abordable pour leur bourse trouée. Non mais où va le monde, ma petite dame, si même SNK se met à démocratiser ses jeux? C'est quoi ce bordel? On n'y comprend plus rien. Et chez NEC et Sunsoft, eh ben écoutez, ils sont un peu perdus. Hein. Et il faut attendre fin 93 pour que NEC et Hudson Soft réagissent vraiment à toutes ces annonces. Le projet Tetsujin avait été suspendu. En plus, on leur avait dit « Ouais, vous pressez pas, vous pressez pas. » Et là, il y a plein de consoles qui sortent, avec plein de jeux dessus. NEC et Hudson Soft réalisent qu'ils se sont fait doubler en beauté. Qui plus est, les machines annoncées sont techniquement plus puissantes que la PCFX. Dans le EGM numéro 54 de janvier 1994, et ensuite dans la plupart des magazines français, on commence à parler de cette fameuse PCFX. On peut s'amuser de lire que la console saura gérer les polygones. Donc quoi, les journalistes disent quand même quelques petites conneries au passage. Puis ensuite, très rapidement, tout le monde se rend compte que la machine n'a pas de processeur dédié à la 3D et qu'elle mise tout sur la vidéo. Pourtant, lors de la première présentation, les spectateurs étaient épatés par la finesse de la 3D. Deux titres ont particulièrement impressionné l'assemblée. C'était FX Fighter et Star Soldier FX. Alors FX Fighters, ça devait être l'équivalent du jeu Kung Fu pour la PC Engine, une démo technique qui en mettait plein la vue. Et Star Soldier FX, bah, c'était la suite de la mythique série débutée sur Famicom et prolongée sur PC Engine. Quelque part, c'était un peu le Gunhead de la PC FX. Les deux jeux sont techniquement irréprochables, ça envoie du lourd. Sauf qu'il y a un problème majeur. Les scènes sont précalculées. Pour faire simple, la PCFX n'est ni plus ni moins qu'une machine à la Dragon Slayer, Space Ace et autres, sauf que la technologie de décompression vidéo permet de se passer d'un laserdisc pour se cantonner au support CD sans perdre en qualité. Vous vous souvenez des laserdiscs, ces grosses galettes là, qui ressemblent à des 33 tours? Bon ben ça, ça coûtait un bras. Donc là, le fait de réduire le stockage vidéo sur un simple CD, c'est un gain énorme. Mais quelque part, ben voilà, les jeux, ce ne sont ni plus ni moins que des démos techniques sur lesquelles on vient coller des sprites qui s'animent. Et donc ça pose quand même un problème. NEC et Hudson Soft ne sont pas d'accord sur la philosophie de la machine. Hudson Soft est partisan de repenser l'architecture complètement. Tout remettre à plat, et puis voilà, on recrée une machine surpuissante, quitte à sortir un an après les autres. Mais NEC veut sortir la PCFX en même temps que Sony. Ah ouais, attendez. La sortie de la Panasonic 3DO a été vécue comme un affront par NEC, et pour la première fois, NEC n'a plus l'image d'une entreprise pionnière dans le domaine du CD, et notamment des jeux vidéo sur CD. Et le géant Panasonic, voilà, a mis une bonne petite tape dans le dos de NEC en disant « T'as vu mon vieux, ce que j'ai sorti là, 3DO, t'as vu, ça dépote, hein. Tu fais quoi toi en fait ?» Ah voilà, donc NEC ne veut pas se permettre d'attendre, alors qu'Hudson Soft, à ce moment-là, dit « Bon, on va peut-être repartir à zéro. Tant pis si on a commencé à développer des jeux, que ça nous a coûté un peu de sous, voilà. On reprend une feuille blanche et on retravaille tout ça. » Et là, NEC va même s'affranchir d'Hudson Soft et on peut y trouver une première explication à cet échec. NEC a renforcé ses filiales software. NEC Avenue, son bras armé, est désormais doté d'équipes plus étoffées. Ces dernières travaillent déjà sur des titres inédits, basés sur beaucoup d'animations vidéo. Repenser une machine, c'est mettre à la poubelle tout le travail déjà réalisé. Alors Hudson Soft est aussi dans ce cas de figure. Les jeux en développement ont coûté beaucoup d'argent, mobilisant de grosses équipes sur les titres PCFX. Mais à la différence de NEC, Hudson Soft sait pertinemment qu'en 1992, la PCFX aurait sidéré tout le monde, mais fin 93, début 94, la donne a complètement changé. La technologie est tout simplement obsolète et le peuple réclame de la 3D. Qui plus est, NEC en adoptant un processeur maison, le NEC V810, et non plus un processeur custom made in Hudson Soft, prend quasiment son indépendance par rapport à son partenaire.
Ah, bien entendu, il devra reverser des royalties, car l'architecture générale reste peu changée par rapport au projet initial. Mais on imagine bien que dans le cadre des négociations, Hudson Soft n'a guère le choix que d'accepter les termes du contrat. Qui d'autre que NEC pourrait être intéressé par cette architecture ? En tout état de cause, bah voilà, on n'est plus sur un processeur made in Hudson Soft, même s'il était customisé, mais voilà, sur un processeur NEC V810 qui change complètement la donne. Second coup de poignard, l'absence, de façon native, de compatibilité PC Engine. Hudson Soft percevait des royalties très bien négociées à l'époque de la conception de la gamme. Chaque nouvelle évolution permettant à Hudson Soft de toucher également sa part sur le nouvel hardware. Or, avec le surprenant et incompréhensible abandon de compatibilité, c'est la douche froide pour Hudson Soft. Cette décision aura un impact terrible auprès des joueurs PC Engine. Dans un Famitsu de l'époque, un responsable de NEC évoquait un possible module PC Engine à insérer dans la PCFX. Mais il n'a jamais vu le jour et aucune info n'a fuité depuis sur le sujet. Cependant, entre nous, on imagine bien que techniquement, c'était vraiment facile. Ce module PC Engine vendu séparément aurait permis à tout le monde d'être gagnant. Les joueurs au premier chef, NEC et Hudson Soft, et enfin les éditeurs tiers. Ces derniers auraient été rassurés, tout comme les joueurs qui auraient pu réutiliser leurs anciennes manettes et les autres accessoires, plutôt que d'en acheter des nouveaux. Moi-même, j'imaginais des jeux PC Engine qui, une fois insérés dans la PCFX, offraient un contenu différent. À la manière de Darius Plus, un jeu super graphique, compatible avec la Core Graphics ou la PC Engine, mais qui avait des petits plus quand on le mettait sur une super graphique. Dans mon esprit, je visualisais des dessins animés classiques sur PC Engine CD, et une fois qu'on les mettait dans la PCFX, on les retrouvait en full motion vidéo, le jeu en lui-même restant identique. Bref, j'imaginais des versions améliorées, un peu comme on peut le voir aujourd'hui avec les titres optimisés pour PS4 Pro par exemple. Sortie fin 1992, cette machine aurait fait un malheur, car il y avait vraiment un fossé technologique. Si on se replace dans le contexte de 1992, les dessins animés, les introductions de la PC Engine font sensation. C'est vraiment tendance et en plus, bon nombre de joueurs adorent les mélodies CD qu'offre la PC Engine. Cependant, il fallait reconnaître que les animations étaient limitées. NEC et Hudson Soft ont tenté de contrer le problème en améliorant les cartes système. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était juste un ajout de mémoire, ou en innovant un peu au niveau de la compression, comme par exemple la U-Video d'Hudson Soft. Mais malgré tout, la PC Engine montrait ses limites. Là, une nouvelle machine avec lecteur CD double vitesse, même les anciens jeux CD auraient connu une cure de jouvence. On imagine d'ailleurs que les jeux arcade card auraient aussi été moins pénibles avec leur temps de chargement interminable sur une simple PC Engine équipée de son CD-ROM et de l'interface unique. Bref, cette émancipation délibérée de la gamme PC Engine a été une erreur fatale. NEC s'est placé au même niveau que Panasonic ou Sony avec une machine à la ludothèque à construire, alors qu'ils auraient pu capitaliser sur ce formidable et incroyable héritage PC Engine. D'autre part, NEC envisage la PCFX comme une passerelle vers ses ordinateurs personnels. Cette fois, la volonté de se débarrasser d'Hudson Soft est clairement affichée. Pour faire simple, la PCFX peut se muer en CD-ROM externe pour la gamme PC de NEC. Mieux encore, la PCFX est disponible sous la forme d'une carte graphique interne compatible avec les ordinateurs NEC PC 98. Cette carte est fournie avec deux CD, des logiciels en fait, pour aider les utilisateurs à programmer des jeux pour la PCFX. Une bonne idée, mais bon. L'idée c'était de développer du homebrew et d'autres applications en dehors du monde des consoles. À l'origine, les logiciels développés via cette carte devaient être compatibles avec la console, mais au final, d'importants bugs et l'absence de mise à jour du logiciel ont rendu l'utilisation sur console impossible. D'un point de vue commercial, c'est complètement alambiqué. Est-ce une console, un add-on pour PC japonais, une machine interactive ? On n'en sait rien.
Quand console plus ou encore CD console passe la machine au banc d'essai, on sent une certaine amertume chez les journalistes. Alain Huyghe-Lacour l'écrit noir sur blanc, grand fan de la PC Engine, il est déçu. Sur le papier, la machine semble tenir la route. Le NEC V810, processeur dérivé de la série V800 de NEC, sorti en 1992, abandonne ce qui a fait le succès des gammes précédentes, V60 et V70, c'est-à-dire la technologie CISC au bénéfice de la technologie RISC. Cependant, ses performances sont excellentes. Plus de 23 millions d'instructions par seconde. Souvenez-vous, tout à l'heure on était à 10, on est passé à 23. Il est aussi puissant qu'un Intel 486DX cadencé à 66 MHz. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs un V810 qui équipera le futur Virtual Boy de Nintendo. Le problème, c'est que notre pépère se retrouve bien seul sans coprocesseur 3D. On l'a bien compris, la décompression vidéo est le point fort de cette machine, car en 1992, on pensait que l'avenir des jeux vidéo passerait par la full motion vidéo. Mais en 1994, la donne a radicalement changé. Pas étonnant que les journalistes soient décontenancés. Tous sont unanimes pour reconnaître que l'animation, les accès disques et la qualité vidéo sont supérieurs à ce qui se fait sur 3DO, PlayStation ou encore Saturn. Mais au final, de la vidéo, ça ne fait pas de bons jeux. Et pire encore, ça ne répond pas aux attentes du public qui rêve de 3D et de monde virtuel. On peut donc dire que NEC a complètement loupé son rendez-vous avec le public à cause de 7 points qui sont à mes yeux essentiels. 7 points que je vais désormais évoquer avec vous. D'un point de vue stratégique, la PCFX aurait dû sortir en 1993, son développement débuté en 91, lui laisser le temps de planifier une sortie courant en 93, même sans grand jeu en Day One, avec une compatibilité PC Engine, c'était l'évolution logique et attendue par tous. Les éditeurs auraient pu s'y mettre tranquillement, imaginant même des jeux hybrides, socle commun PC Engine, mais séquences vidéo améliorées sur PCFX. Une transition en douceur. Le seul fait d'occuper l'espace 32 bits aurait coupé l'herbe sous le pied de la FM-Tone Marty, première console 32 bits japonaise, ou encore de la 3DO. Quitte ensuite à sortir un module 3D à la manière du M2 qui était prévu sur 3DO pour contrer la Sony PlayStation et la Sega Saturn. Autre point, cette fois-ci d'un point de vue technique, tous les jeux d'arcade prenaient le virage de la 3D. NEC, en vendant des processeurs V60, V70 aux concepteurs de jeux d'arcade, était aux premières loges pour voir l'engouement que suscitait la 3D auprès du public. Dès lors, pourquoi ne miser que sur la vidéo et la 2D? Ça, c'est un truc de fou. Pourquoi techniquement, NEC n'a pas senti le vent tourner? D'un point de vue commercial, sortir une console après la Saturn et la PlayStation ne laissait aucune chance. Tout le monde était fauché après les fêtes de Noël. Alors, c'est un comble quand on sait que NEC et Hudson Soft avaient 3 ans d'avance sur tout le monde et qu'au final, ils sont sortis en dernier. Échec stratégique, échec technique, échec commercial, mais aussi échec d'un point de vue financier. La console face à ses concurrentes est clairement à la ramasse sur le plan 3D, et pourtant, elle est quasiment vendue au même prix. Elle n'est donc même pas attractive financièrement pour occuper le rang de seconde console, vous voyez, en complément de la PlayStation qu'on s'est acheté à Noël, ou de la Saturn. Il nous reste un peu de sous, on prend la PCFX, il y a des jeux qui ont l'air sympas, qui sont abordables. Même pas, c'était vendu assez cher. Ensuite, d'un point de vue logiciel, on en a déjà parlé, mais je vais me répéter, la PCFX n'avait pas de killer app en Day One, mais des jeux qui, sans être mauvais, étaient inconnus du grand public et ne faisaient même pas partie de l'univers PC Engine. La PCFX, en rompant avec sa propre histoire, semblait être dans le déni de son passé. Quand Nintendo a sorti la Super Famicom, la Super Nintendo chez nous, qui n'était pas compatible avec la Famicom, la première chose qui a été faite a été de rassurer les fans en proposant Super Mario World. On pouvait même voir l'évolution technologique.
Là, NEC a mis de côté les hits de la PC Engine. Alors, PC Genjin, CD Denjin, Momotaro, Neutopia, Bomberman, Star Soldier, Adventure Island, et a demandé à Sunsoft de sortir des nouveaux jeux utilisant la vidéo. Alors, un jeu aurait pu sauver la machine, le mythique Tengai Makyo de Manjimaru, classé dans les meilleurs RPG de tous les temps au Japon. Et bien écoutez, sa suite, nommée Namida, devait débarquer sur PC FX. Et ça, quelque part, voilà, c'était THE blockbuster. Tous les Japonais l'attendaient. Ben, je peux vous dire une chose, ils l'attendent encore. D'un point de vue historique, là aussi, se passer de l'héritage PC Engine était une erreur. Ou alors, il aurait fallu dire que le module PC Engine allait arriver rapidement. Laisser au moins une porte ouverte. Car les derniers fans de la PC Engine ont plutôt fait l'acquisition de la Duro RX, qui avait quasiment une manette similaire à celle de la PC FX. La Duo RX était la dernière évolution de la gamme, et quelque part, bah, autant acheter ça, parce qu'au moins on a plein de jeux dessus, c'est pas très cher, et puis voilà, on attendra que la PSFX fasse ses preuves. Donc, d'un point de vue historique, une très très grosse erreur, on peut pas se passer de son passé comme ça, sans vouloir faire de jeu de mots. Et l'autre point, bah, c'est d'un point de vue du positionnement. Il est clair que son positionnement est confus. La machine pouvait recevoir des fax. Quel intérêt de mettre une telle fonctionnalité dans une console? Alors là, c'est un truc complètement fou. La PCFX peut recevoir des fax, alors il fallait acheter le module PCVAN, et puis vous pouvez recevoir vos fax sur votre PCFX. Ok, d'accord. Quel intérêt, honnêtement? Quel intérêt de mettre cette fonctionnalité dans une console de jeu? Les passerelles, ensuite, vers le monde du PC sont étranges. Pourquoi vouloir faire d'une console un simple lecteur CD-ROM? Alors, ok, les CD-ROM étaient chers à l'époque, mais bon, en 95, ça commençait à se démocratiser. Bon, le gain n'était pas forcément évident pour le grand public. En 92, je ne dis pas, c'est intéressant. En 95, c'est plus aussi hype que ça. Et en plus, les logiciels PC qui étaient fournis pour développer des jeux PCFX sont truffés de bugs. Et là aussi, une très grosse erreur de positionnement parce que la machine n'a pas clairement fixé ses limites. Le résultat fut sans appel. La très japonaise PCFX a terminé sa carrière avec 400 000 unités vendues uniquement au Japon après 4 ans d'exploitation et une soixantaine de titres sortis. Alors, pour NEC, cet échec n'eut quasiment aucun impact. NEC gagnant de l'argent sur la vente de la machine, les 100 000 premières unités vendues ont permis d'amortir le choc. Il faut également savoir que la division NEC HE, alors HE pour Home Electronics, c'était la gamme où on trouvait la PC Engine puis la PCFX, NEC Home Electronics commercialisait énormément de produits, comme des téléviseurs, des magnétoscopes, des platines CD, des réfrigérateurs, des radiateurs, des aspirateurs, des fers à repasser, des cuisinières électriques, ou encore les fameux ordinateurs PC 88 ou 98. Bref, la PC Engine, la PCFX, c'était un produit de plus dans leur gamme, dans la gamme de NEC Home Electronics. Alors, pour l'anecdote, NEC Home Electronics, c'était une division de NEC, la maison mère, créée en 1953. Celle-ci représentait, selon les années, entre 10 et 15% du chiffre d'affaires global de NEC. Donc vous imaginez le mastodonte qu'est NEC. Donc voilà, NEC, il a une petite division, NEC Home Electronics, qui s'occupe du grand public, qui fait des réfrigérateurs, des aspirateurs, des PC Engine, des PC FX. Et voilà, et en fonction des années, ça représente entre 10 et 15% du chiffre d'affaires global. Alors si je devais vous donner un équivalent qui vous parle un peu plus, ça serait SCE, Sony Computer Entertainment. Devenu ensuite, en 2016, si mes souvenirs sont bons, Sony Interactive Entertainment, filiale de la maison mère Sony, qui fait une multitude d'autres choses. Sauf que pour Sony, SCE, ou maintenant SIE, c'est devenu une activité majeure, qui fait désormais la pluie et le beau temps au sein du groupe. Donc pour NEC, la filiale NEC HE a d'abord vendu dans les années 50-60 des radios, des magnétophones, enfin tout ce que je vous ai dit préalablement,
À la fin des années 70, ils se sont intéressés à l'informatique et ont lancé dès le début des années 80 des PC. Le PC 6001, suivi ensuite des mythiques séries PC 8800 et 9800 qui ont cartonné auprès du public japonais. Et ce n'est qu'en 1987 que la PC Engine déboule avec un réel succès. Le marché japonais est suffisant pour NEC Home Electronics, qui ne voit pas forcément l'intérêt d'aller se perdre sur d'autres marchés. Donc NEC Home Electronics crée une division jeux vidéo nommée NEC Avenue qui alimentera la PC Engine en soft de qualité. Et quand la PCFX arrive et que les résultats sont mitigés, NEC Home Electronics, NEC HE, fait pas dans la dentelle et regroupe ses studios sous une seule et même bannière, NEC HE. C'est pour cette raison que de nombreux jeux PCFX sont simplement signés NEC HE et que NEC Avenue a rapidement disparu. À la fin des années 90, NEC décide de changer de stratégie et de se concentrer sur le marché professionnel. Fini le grand public! Attention, ils nous cassent les burnes avec leur SAV, machin, etc. À l'instar d'IBM, NEC se concentre sur des marchés tout simplement plus juteux que sont les professionnels. Et la division NEC HE ferme ses portes en 2000. Et cette activité est complètement liquidée en 2002. Les droits des jeux développés sous l'ère PC Engine et PCFX sont cédés à la filiale Biglobe. Et ouais, Biglobe, la division fournisseur d'accès à Internet de NEC. Qui ensuite, NEC revendra aussi Biglobe. Bref, tout ça pour vous dire que NEC fait pas dans la dentelle. NEC, c'est un mastodonte. Et ils ont pas la passion des jeux vidéo comme peuvent l'avoir d'autres, comme Nintendo, Sega, Capcom, où c'est un petit peu leur cœur de métier, ils ont un historique lourd. Là, la PC Engine et la PCFX, pour NEC, il faut savoir que c'était un produit comme un autre, et que quand ils décident effectivement de changer de stratégie, ça fait du mal. Et c'était un petit peu l'allusion que je voulais faire par rapport à la 3DO et la technologie M2, le jour où Matsushita a dit « Bon les gars, chez Panasonic, vous arrêtez vos conneries avec vos consoles, allez on arrête tout ça », basta, du jour au lendemain, il y a une décision qui est prise par un directeur, et puis ça tombe en cascade et tout le monde arrête les frais. Bref, on peut dire que pour NEC, cette aventure vidéoludique n'était qu'un marché commercial comme un autre, une sympathique parenthèse, et NEC n'en dépendait absolument pas. Le jour où NEC décide d'arrêter les produits grand public, ils ne font pas les choses à moitié et ferment cette division sans aucun état d'âme. Pour Hudson Soft, par contre, la désillusion est beaucoup plus grande. Si NEC pouvait mobiliser plus de 120 personnes sur un jeu comme Rolfi. Alors Rolfi, c'est la mascotte de la PCFX. C'est une charmante jeune fille au demeurant. Elle a eu le droit à son petit jeu. Et puis NEC a dit, on met une centaine de personnes pour développer ce jeu. Qui est quasiment injouable ou incompréhensible pour nous petits français. De son côté, lui, Hudson Soft a vraiment pris le bouillon avec la PCFX. Un jeu comme Battle Heat, il faut savoir qu'il a mobilisé plus de 170 personnes pour son développement. Imaginez un peu, 13 graphistes, 54 animateurs, une vingtaine de personnes à la photographie et à la mise en scène, autant au niveau de la bande-son. Plus des sous-traitants, 11 acteurs étaient nécessaires pour doubler les voix des personnages. Bref, tout ça coûte de l'argent, énormément d'argent, et quand le jeu fait un bide, ça fait très mal à la trésorerie. Alors autant NEC s'en fout, autant chez Hudson Soft ça fait mal. Le trésor de guerre accumulé lors de la faste période PC Engine fond comme neige au soleil. Et c'est quasiment la même chose pour Team Innocent, qui a un staff plus ou moins similaire, à 20 personnes près. Alors, le pire dans cette affaire, c'est qu'ils ont suivi les consignes de NEC qui voulait faire des jeux utilisant à mort la vidéo pour démontrer la suprématie de la PCFX dans ce domaine. Hudson Soft n'a même pas pu se concentrer sur ses licences maison hyper rentables pour se refaire une santé. NEC voulait du sang neuf et surtout montrer que la PCFX était tellement puissante que les jeux de l'ancien temps n'y avaient pas leur place. Hudson Soft s'est donc engouffré dans un pari extrêmement risqué,
Ceci dit, encore de nos jours, les constructeurs de consoles s'arment de coûteuses killer apps exclusives pour le lancement de leur nouvelle machine. C'est pas non plus déconnant comme stratégie. Donc on peut pas non plus en vouloir à NEC et Utsunsoft d'avoir tenté le coup. Si ça avait marché, on aurait dit ah, « ce sont des génies absolus ». Bon, juste qu'il aurait peut-être fallu faire des trucs qu'on fait maintenant, mais qui ne se faisaient pas forcément à l'époque, c'était des tests auprès d'un public cible pour se rendre compte que le concept, aussi beau soit-il, laissait les joueurs sur leur faim. Alors, quand FX Fighter ou Street Fight ont été mis en démonstration lors de Caravan Stage, je sais pas, ils ont dû se rendre compte que bah, c'était pas intuitif la façon dont les gamins jouaient. Il y a une vidéo qui circule sur le sujet et voilà, on voit que c'est techniquement c'est beau à l'écran, mais que c'est quand même un petit peu bizarre comme gameplay. Alors tout ça pour dire que bah, voilà, ça c'est quelque chose qui aurait peut-être fallu faire à cette époque-là. Ça ne se faisait pas, c'était pas forcément dans les traditions japonaises, mais quelque part ça coûtait très cher à Utsunsoft. Donc dès 95, donc quelques mois après la sortie de la PCFX, quand Utsunsoft se rend compte que les ventes sont désastreuses et qu'il y a beaucoup de trésorerie sortie, Utsunsoft est obligé de réduire ses effectifs. Je peux vous dire que ça fait mal, hein. Je crois que les équipes ont été divisées par deux très rapidement. Tous les sous-traitants qui bossaient pour Utsunsoft et autres, on leur a dit, bah, écoutez, vous êtes bien gentils, mais pour l'instant, on n'a plus de boulot à vous donner. Et l'entreprise à l'abeille a pris le bouillon. Et même des jeux qui étaient très attendus, comme Tengai Makyo, Deno Karakuri, Tatutoden, le jeu avec une licence extrêmement forte au Japon, je vous en ai déjà parlé, basé sur la série Tengai Makyo, écoutez, a été développé avec une trentaine d'employés seulement. Ah, vous voyez, Battle League Team Innocent, on est entre 150 et 170 personnes, avec une multitude de sous-traitants, et là on se retrouve avec effectivement une trentaine de personnes, et puis on sous-traite auprès de entreprises comme ça qui peuvent nous dépanner sur le sujet. Bon. Alors le jeu sera au final rentable, mais pas suffisamment pour se sortir la tête de l'eau et surtout booster les ventes de la PCFX. En face, PlayStation et Saturn ont déjà une bonne centaine de titres à leur catalogue respectif. C'est la débandade. Alors Utsunsoft soutiendra la PCFX avec seulement 6 jeux. Et il sera forcé, par obligation de réorienter sa stratégie vers d'autres machines comme la Saturn, la PlayStation ou encore un peu plus tard la Nintendo 64. À titre de comparaison, on a donc Utsunsoft 6 jeux développés, édités. NEC a édité 48 jeux sur PCFX. Ah oui, je vous avais dit qu'ils avaient recruté du monde. Alors si Utsunsoft est le grand perdant de son alliance avec NEC, on peut affirmer que de son côté, NEC a exploité la bête jusqu'à son dernier souffle, c'est-à-dire en 1998. Et d'ailleurs, les 7 derniers jeux sortis sur ce support sont édités par NEC Home Electronics. Donc c'est bien, voilà, c'est l'éditeur first party par excellence qui a poussé Utsunsoft sur le côté en disant ben, « pousse-toi de là que je m'y mette ». Et même si la base installée de 400 000 machines en 1998 peut sembler anecdotique, comparé à PlayStation, Saturn et tout le reste, quand il n'y a qu'un seul éditeur, même s'il ne vend que 50 000 ou 100 000 pièces, quelque part, voilà, il est tranquille, il ne prend pas beaucoup de risques. Il sait pertinemment que son public est un peu captif et qu'il va acheter les rares jeux qui sortent. Parce que 7 jeux par an, sur une machine, c'est pas beaucoup. Bon, voilà. On sent quelque part que NEC s'est approprié cette machine et que l'éditeur Utsunsoft, lésé par ce deal bancal, s'est progressivement détourné de cette machine. Un peu dépité de ne pas avoir pu exploiter des jeux en développement comme Star Soldier FX ou encore le Hi-Ten Bomberman, qui semblait sur le papier excellent, Hi-Ten Bomberman. Mais bon, voilà, quand on voit les visuels de l'époque, on se dit « punaise, il aurait été chouette ce jeu ». Mais bon, c'est comme ça, il n'est pas venu. Notons tout de même que deux titres en provenance de l'univers PC Engine et signés Utsunsoft sont quand même sortis. C'est Super Power League, le jeu de baseball qui avait fait le succès de la PC Engine, et Tengai Makyo Deno Karakuri Kakutoden. De son côté, NEC ne s'est pas gêné pour capitaliser sur certains jeux en provenance de la PC Engine. Derlang Racer FX, un excellent tactical RPG qui m'a bien plu à l'époque. Alors, j'étais fan de la série, donc forcément, quand il est annoncé sur PCFX, j'étais fou. Mais voilà, NEC, lui, s'est pas gêné. Il a sorti des bonnes licences avec des effets qui sont
qui sont certes chouettes visuellement, mais bon, c'est pas non plus à se claquer la tête contre les murs, hein. Ils ont aussi sorti Megami Paradise 2, un titre assez délirant. Et bien sûr, le quatrième opus de Dragon Knight, une série de RPG coquins issus des PC japonais, mais qui a connu son heure de gloire sur PC Engine. Alors mes petits lapins, au final, que retenir de tout cela? En premier lieu, les jeux. La production commerciale s'est étalée sur 4 ans, et heureusement pour nous, il y a quelques pépites et curiosités. Alors je ne retiendrai ici que les jeux qui sont jouables pour celles et ceux qui ne parlent pas un mot de japonais. Il faut le savoir, la PCFX est la plus japonaise des consoles de jeux. Mis à part Zork, aucun jeu occidental n'a franchi les océans pour débouler sur PCFX. Et encore, Zork est entièrement en japonais, vous attendez pas des sous-titres anglais. Donc il faut a priori aimer le style animé manga pour se plonger dans l'univers PCFX. A l'inverse de la 3DO qui a fait le pari de la full motion vidéo avec des acteurs américains, bah, la PCFX a choisi le monde des animés comme base vidéo. De ce fait, on a une flopée de jeux qui ne nous parlent absolument pas, de par leur référence hyper japonaise. Le style de jeu développé est lui aussi un frein. La majeure partie des jeux sont des jeux d'aventure, des RPG ou des simulations. Alors simulations, pas comme SimCity, hein, des simulations de vie. Donc si votre passion est de côtoyer des collégiennes ou des lycéennes japonaises et de vivre leur romance à l'eau de rose, alors vous serez comblés, il y en a une palanquée. Manami ! シャンプー切れてるから取り替えてって言ったでしょ、もう。Bref, si l'envie d'acheter une PCFX vous prend, dites-vous bien que moins d'une dizaine de jeux seront parfaitement jouables. Bon, sur la soixantaine, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a une soixantaine de jeux qui sont sortis, donc il y a quand même, allez, on va dire, 10% qui sont quand même jouables assez facilement. Et certains titres ont aujourd'hui des prix complètement dingues. Ah ouais, vous n'allez pas les acheter en version originale, à mon avis, hein, parce que certains titres atteignent les 600-700€. Donc voilà, vous avez un ordre de prix. Après, les premiers titres comme Battle Eve, Team Innocent et autres, bon, voilà, on peut les trouver facilement. On est dans une fourchette de prix entre 30 et 60€. Par contre, certains jeux, et malheureusement les meilleurs, sont très très chers. Et c'est logique, la console ne s'est vendue qu'à 400 000 exemplaires au Japon. On imagine que les tirages de jeux n'ont guère dépassé les 100 000 unités produites. Allez, peut-être un peu plus pour Battle Eve et Team Innocent. Mais voilà, pour les jeux en milieu de vie de la PCFX, allez, on va dire 95-96, on devait être entre 30 000 et 50 000 pièces. Et vers la fin, en 97, hein, on imagine que le seuil ne devait guère dépasser les 20 ou 30 000 exemplaires. Alors, quel jeu retenir? Tout d'abord, Team Innocent. Disponible en Day One, c'est indéniablement un bon jeu d'aventure. Même si les sprites des personnages donnent une drôle d'impression à l'ensemble, c'est un Alone in the Dark futuriste dans l'espace. Ou alors un Resident Evil avant l'heure, le côté gore en moins. Et toujours dans l'espace. En tout état de cause, c'est l'un de mes jeux préférés sur PCFX. Sans doute parce que j'y ai passé des heures en 1995, faute de mieux sur cette machine, en tentant vainement de justifier l'achat de ma PCFX. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, la langue japonaise n'est absolument pas un obstacle. Et je crois même que si on a le temps de ces quatre, bah écoutez, on se fera un petit let's play sur ce jeu, parce que, bah, y a un côté sympathique et un côté personnel qui me plaît bien.
Ensuite, bah, Battle It, forcément. Sorti lui aussi en Day One et lui aussi signé Hudson Soft, c'est un jeu de baston en dessin animé. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. Une fois qu'on a pigé les commandes, bon, on s'amuse un peu, mais on s'en lasse très vite. La faute notamment à une intelligence artificielle qui est relativement forte et qui anticipe, qui contre la plupart de vos attaques. Voilà, donc ça c'est un petit peu chiant parce que c'est vrai que on est très très loin du savant dosage d'un Super Street Fighter 2 et de son intemporel intérêt. C'est donc le jeu à sortir pour impressionner la galerie et montrer un style de gameplay unique au monde et aujourd'hui disparu. Donc voilà, Battle It, il a ce petit côté sympa, c'est que c'est un jeu d'action qui mérite le coup d'œil. Mais bon, c'est pas non plus mon jeu préféré sur PCFX. Mon jeu préféré, c'est Kishin Doji Zenki FX Fajola Fight. Sorti en décembre 1995, un an après la sortie de la PCFX, c'est un jeu d'action en 2D signé Hudson Soft. Et il est absolument magistral. C'est un beat'em all, ou un beat'em up, vous dites comme vous voulez, je m'en fiche. C'est un beat'em all étonnant. Il est entrecoupé de scènes animées. Alors vous bastonnez, puis paf, d'un seul coup, ça s'interrompt, et puis paf, il y a une scène animée, puis ça enchaîne, etc. Et tout ça sans nuire à la jouabilité de l'ensemble. Bref, ce titre-là, il aurait fallu le mettre en Day One, parce que c'était un bon jeu 2D qui dénotait. C'est un univers très japonisant, allons-nous dire. Voilà, c'est un jeu atypique. Et bon, sa cotation atteint des sommets aujourd'hui. Et quelque part, je regrette amèrement de l'avoir vendu une bouchée de pain à la fin des années 90, parce que c'était mon jeu d'action préféré sur PCFX. Mais bon, il est aussi relativement facile, on le termine assez rapidement, donc c'est vrai que l'intérêt s'en trouve tout autant limité. Mais pour autant, c'était quelque part les prémices de ce qu'on pouvait faire sur PCFX avec des bons développeurs qui exploitaient à la fois la vidéo, à la fois les scènes, parce que c'est vraiment honnêtement très très fluide, on a l'impression de jouer sur une cartouche. Autre titre, Miraculum The Last Revelation, sorti en mars 96. Donc là ça y est, on arrive un petit peu dans le creux de la vague, on se rend compte que la PCFX est en train de mourir, mais bon, moi j'y croyais encore un peu, ouais. Et c'est un titre, donc Miraculum The Last Revelation, qui a été développé par Rayforce. Alors c'est un bon RPG qui n'aurait pas dénoté sur une Super Famicom. Mais ouais, c'est ça son problème. Parce que si l'on fait abstraction de sa faiblesse technique, c'est un jeu très agréable. Un bon petit RPG old school, bien entendu entièrement japonais, donc on perd pas mal de subtilité. Mais comme Google est votre ami, vous trouverez des aides de jeu assez facilement. Ensuite, Chipshan Kick, une sorte de Parasol Star, et donc de Bubble Bobble, signé NEC, est sorti en septembre 1996. Alors c'est un Bubble Bobble, un jeu de plateforme traditionnel. Il est amusant, un tantinet coquin dans ses séquences vidéo. On voit qu'il y a un petit côté libidineux, hein, qu'on retrouve pas dans Bubble Bobble, bien sûr, ni dans Parasol Star. Et c'est un bon petit titre qui ne nécessite aucune connaissance en japonais. Ceci étant dit, on a objectivement l'impression de jouer à un jeu PC Engine. Voilà, vous pouvez se voir la face, vous attendez pas à des effets visuels incroyables. À part de la vidéo, il n'y aura rien d'autre. Hein. Que les choses soient dites. Hein. Autre titre, alors lui qui m'a vraiment beaucoup plu, Last Imperial Prince. Alors, Last Imperial Prince, sorti en mars 1997, c'est l'un de mes jeux préférés. Et lui aussi, un jour, il faudra que j'en parle. Titre d'aventure RPG vu de profil. Alors moi, quand j'ai lancé, tout de suite, j'ai pensé à Is 3. J'avais adoré Is 1 et 2 sur PC Engine. Quand Is 3 est sorti, j'étais un petit peu décontenancé parce que voilà, on passait d'une vue aérienne à une vue de profil. Voilà, c'est pareil. C'est un... si on veut pas vexer les fans de Nintendo, on dirait que c'est un jeu à la Zelda 2. Vous me comprenez? C'est pour vous planter un petit peu le décor. Avec des très belles musiques, des très belles mélodies. Alors, bien évidemment, comme toujours, il n'exploite pas la PCFX. Mais c'est une belle expérience de jeu, comme on dit maintenant. Le jeu est très soigné.
Il y a des bons petits rebondissements. Et pareil, les personnages sont attachants. Et moi, je me suis bien investi dans ce titre. Alors là, voilà, on est déjà arrivé en 97. Vous voyez, ça passe très très vite. Hein, donc, bon. Et en 97, il y a aussi un autre jeu qui est sorti. Shōjin Eiki Zero Agar. J'arrive pas à le prononcer. Hein, donc, je ne sais pas si on dit Zero Igar, Zero Agar, Zero Agar. Bon. Voilà, c'est Shōjin Eiki Zero Agar, sorti le 8 août 97. Et roulement de tambour, accrochez-vous, c'est le seul shoot'em up disponible. Voilà, il n'y en a qu'un, faut pas besoin d'en chercher plein, il n'y en a qu'un sur PCFX. Uchiureki, Beta 28, Ringa-kei wa shi no kage ni owareta. C'est quand même un comble quand on sait que la PC Engine était la reine des shoot'em up. Un seul titre, c'est plus que maigre. Hein. Mais heureusement pour nous, il est plutôt réussi. Et quand je dis ça, voilà. Pareil, il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas d'effet spectaculaire, mis à part les scènes vidéo, parce que voilà, on est sur une console vidéo, donc... Il y a des séquences d'intro, une séquence d'intro qui est superbe. Ensuite, vous jouez, paf, il y a encore une séquence vidéo qui est hyper fluide, qui s'enchaîne super bien. Et le shoot, bon, lui-même n'est pas non plus, d'un point de vue graphique, exceptionnel. Il fait le job, et son point fort, c'est la possibilité de changer son armement en cours de partie. Et ça, c'est plutôt bien pensé, parce que en fonction des adversaires, en fonction voilà, des passages que vous allez parcourir, vous pouvez adapter votre matos afin voilà, d'être le plus efficace possible. Donc un excellent jeu, et en plus, un truc de fou, si vous terminez ce jeu complètement, eh ben, vous pouvez le refaire en jouant avec une petite fille qui... Ah ouais, ils sont barrés quand même. Vous pouvez refaire le jeu avec une petite fille qui prend possession d'une sorte de méca géant, sorte de robot-fille à son effigie, et donc vous refaites le jeu avec ce personnage-là. Donc c'est complètement barré, les dessins animés ont aussi été changés, donc ça démontre quand même qu'il y avait une volonté de faire un bon jeu, mais bon, malheureusement, voilà, la PCFX n'est pas pleinement exploitée, il faut le reconnaître. Alors après, on arrive vraiment vers la fin, là c'est, bon, je vais pas dire la fin des haricots, mais il y a un autre titre qui vaut quand même le détour, c'est Loulouli. Alors ça s'écrit Ruruli, Ra, Rura. Mais notre ami Florent Gorge nous dira, ouais mais attendez, les R ils sont prononcés comme des L. Donc quelque part, ben, Ruruli, Ra, Rura, faut le prononcer, Loulouli, La, Loula. Bon voilà, bon. Alors, j'espère ne pas avoir heurté vos oreilles. Donc c'est un titre qui est sorti le 20 février 98. Oui alors là, on a dépassé les 4 ans de vie commerciale de la machine, on est en 98, et le jeu sort. Alors, l'anecdote raconte que voilà, le jeu devait sortir avant, mais que bon, le studio il a pris du retard, et puis il n'était pas forcément sûr d'être payé, donc ils ont traîné patati patata. Et puis bon, finalement, bah, voilà, il est arrivé malgré tout dans les plannings en 98. Et donc, voilà, c'est un jeu de plateforme entrecoupé de scènes animées qui, ma foi, est très agréable. Un bon petit jeu de plateforme. Alors attention, c'est pas non plus du Mario, c'est pas non plus du Sonic, c'est encore moins du PC Kid. Mais bon, comme c'est l'un des rares jeux d'action de la PC Engine, encore plus en termes de plateforme, bah on ne va pas faire la fine bouche, mes petits lapins. Mais là encore, objectivement, on est au niveau de la PC Engine. Et on n'a jamais l'impression d'être sur une 32 bits, sauf quand bien sûr, bah vous allez chercher un petit diamant, puis paf, enchaînement à dessin animé de fou qui s'affiche en plein écran. Après, pouf, vous arrivez à vous retournez à votre petit jeu tout pourri. C'est un peu ça le problème de la PCFX, hein, c'est qu'elle envoie du lourd, avec des intros complètement dingues, et il n'y a pas, vous voyez, le petit coup de pédale supplémentaire qui fait prolonger cet effet bluffant. Voilà, vous êtes une super vidéo, puis paf, après vous avez un petit jeu sympathique, mais bon, qui envoie pas du lourd. Et c'est globalement le gros problème de la PCFX, c'est que voilà, elle avait une belle promesse en termes de vidéo, et si elle avait eu à côté d'elle un super processeur 3D, bah écoutez, je pense qu'elle aurait dépoté. Mais bon, c'est comme ça, on va pas refaire le match.
98, quelques mois plus tard, on se dit que, après Loulouli Laloula va sortir la Dreamcast, on se dit qu'il fallait vraiment être fan pour acheter ce genre de titre sur une console en fin de vie et complètement exsangue. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie de la PCFX. Il y a quand même un titre que je n'ai pas cité, mais il faut quand même y jouer parce que c'est un ovni vidéoludique. C'est Queen of Queens. Alors, Queen of Queens, c'est un ovni, je vous l'ai déjà dit. C'est un jeu de catch féminin en vidéo. Alors là encore, on utilise les capacités de décompression vidéo de la PCFX dans un jeu de combat à la Battle-Elite. Voilà, c'est un peu le même principe. C'est hyper kitsch, c'est pas très bien joué, mais justement, on rigole en voyant que ces pauvres filles, ces pauvres catcheuses professionnelles de la ligue japonaise de catch, ont essayé de faire des efforts, oui, de réalisme et tout, dans leur rôle de méchante catcheuse prête à en découdre. Donc voilà, oui. Et ça, quelque part, on est un petit peu dans l'empathie, on a envie de les soutenir, de dire, elles ont quand même fait un effort, donc on va un peu jouer avec elles. Et ma foi, c'est tellement kitsch qu'on rigole bien avec ce jeu. Donc voilà, Queen of Queens, c'est un jeu qu'il ne faut pas non plus mettre de côté si vous vous intéressez à l'univers de la PCFX. Alors en conclusion, mes petits lapins, parce qu'il est quand même l'heure de nous quitter, on parle depuis pas mal de temps, enfin surtout moi, et on arrive à la fin de cette 300e vidéo. Et donc en conclusion, je dirais que je garde malgré tout, malgré cette grosse daube qu'a été la PCFX, un bon souvenir de cette machine. Elle fait partie intégrante de mon histoire personnelle et a accompagné la fin de mon aventure en tant que revendeur de jeux vidéo. En 1997, je cédais le pas de porte, et en gros je cédais mon commerce à Ultima Games pour partir sur d'autres projets. Sérieusement endetté, je revendais mes collections de jeux vidéo, ne gardant que quelques consoles de cœur et mon Amiga sous le bras. Loin de l'effervescence de 1994, pour moi, l'âge d'or des jeux vidéo se terminait avec l'avènement de la PlayStation. Alors, entendons-nous bien, c'était une bonne chose pour l'entreprise Sony, qui avait réussi son incroyable pari, qui avait réussi sa belle revanche sur Nintendo. Mais avec elle sont arrivés des requins venus d'horizons divers qui voulaient rationaliser ce marché en pleine explosion. Désormais, le business des jeux vidéo allait énormément se professionnaliser, devenir une industrie à part entière, avec des plannings de production millimétrés, ou des machines aussi exotiques que la Jaguar, la 3D, ou la CD32, la PCFX. Voilà, n'avait plus lieu d'être. C'était passé cette époque-là. En plus de ça, il y avait des nouvelles licences qui allaient remplacer les mascottes vieillissantes de notre jeunesse, les ringardisant au passage. Adieu Mario, adieu Sonic, adieu PC Kid, adieu Alex Kid et tous les autres personnages iconiques, remplacés par des Crash Bandicoot, des Lara Croft et autres Ratchet et Clank. Alors bien sûr, nos vieilles mascottes n'allaient pas complètement disparaître. Bien sûr, je mets Mario à part, qui fait encore vendre des machines. Ou encore Sonic, qui eut un dernier sursaut avec la Dreamcast. Mais voilà, toutes les autres mascottes ne sont plus que des reliques d'un autre temps que les gardiens du temple exploitent jusqu'à la moelle. Et ouais, c'est ainsi, mes petits lapins, c'est la vie. Et quand j'ai quitté mon magasin de jeux vidéo, il y avait une multitude de titres, Tomb Raider, Tekken, Wipeout, Driver, Medieval, Gran Turismo, Legacy of Kain, Tony Hawk's Pro Skater, Colin McRae Rally, Cool Border ou encore FIFA ISS. Bref, tous ces titres, c'était les nouvelles références des gens qui fréquentaient mon magasin et ces jeux se vendaient par palettes entières.
Je me sentais largué avec mes vieux jeux PC Engine, mes vieux jeux Amiga, Mega Drive, Super Famicom. J'étais avec ma PCFX agonisante ou encore ma Saturn sous assistance respiratoire. Certes, les Resident Evil, les Silent Hill, les Suikoden arrivaient à me sortir de ma torpeur. Hein. J'étais pas non plus complètement anesthésié. Mais globalement, le cœur n'y était plus. Sans dénigrer tous ces jeux qui sont pour la plupart excellents, je n'étais tout simplement plus en phase avec cette nouvelle génération de jeux qui déboulait le sourire aux lèvres avec une arrogante réussite et qui balayait d'un revers de main des années de gaming old school ou d'expérimentation aussi. D'ailleurs, il faut s'en souvenir, hein, les gars du marketing à l'époque, dans leur communication, ne disaient plus jouer aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo, ça faisait gamin. Mais parler d'expérience de jeu. Ouais, expérience de jeu, c'est plus adulte. Bref, on ne jouait plus, on vivait des expériences interactives. Pour moi, ça résumait tout. On venait de changer d'univers. Alors, à l'image de la PCFX, je suis donc parti sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, avec ma grande désillusion en bandoulière, mais aussi avec le secret espoir que Sega parviendrait à sauver le monde des jeux vidéo avec son super projet Katana. Mais bon, ça c'est une autre histoire et on va arrêter avec les histoires tristounettes si vous le voulez bien. En tout état de cause, écoutez, j'espère que cette exploration de l'univers PCFX vous a plu. Quant à moi, écoutez, je vous remercie une fois encore pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV. イカ取れるほらこれ足あるじゃん嘘うんこれほら足イカの足、うん、イカでしたでこうするでしょ、うん、こうすると映るんでゲス映ったまだじゃーんじゃーんこれが今夜の夕食でーすピチイエーイ私の持ってるのがホタテでーすホタテホタテでーすこちらがクリームブルレさん、いやブルレさん、ブルレさんです。ブルレさんです。こちらがお湯です。じゃあもう少し酒でも見ながらお話ししますか。しますか。酒でも見ますか。酒でも見てね。そして手は。